Et bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec vous, nous pour tout update pour vous sous justement sous Diozo et Jacques Sébastien Diozo, haïtien ça qui était débarqué dans l'aéroport international tout seul vêtu avec un pile d'armes dans main. Mais actuellement, le gouvernement fédéral pas bon ici justement t'es voyé mandat et il t'a fait jugement pour monsieur et d'après ça. En résumé, ça qui sortit, M. Dil était le débarqué en Haïti. Il était venu pour être capable d'entraîner militaires. Ça veut dire nouvelle armée, Jovenel Guin Soupia. Et en même temps, M. était venu président. Ok? On bord d'État qui gagne. En fait, il faut nous tout ça, Abdoula, il sortit justement dans le journal Miami Herald. Côté quand le monde dit, bon, ça qui passe sous dossier, ça est-ce qu'il close? Mais si, les États, si Haïti c'est un dossier close, c'est que les États-Unis, dossier à pas de close, ils continuent. Et en fait, n'a pas rappelé pour du réseau qui était débarqué en Haïti avec pile boîte d'armes et toute qualité d'armes qui était un acte illégal, bien entendu. Et bien, l'autorité fédérale, pas bon ici, justement, et bien condamné, monsieur, avec jugement ça qui fait dans Caroline du Nord la semaine dernière. Charge qui est retenu, monsieur, c'est ça, les smuggling charge. Ça, en d'autres termes, son nègre qui t'a fait trafic d'armes, qui a fait trafic d'armes illégal, effectivement, il n'a pas de gain autorisation pour te entrer avec pile d'armes, ça ou en Haïti, c'est bah, illégal. En fait, Diozo, d'après ça, qui gagne dans justement jugement que vous prononcez contre lui, il décrit monsieur, tant que ça n'a un instructeur dans firearm. Effectivement, monsieur, c'est un professeur qui a appris à tirer. Et lui dit investigateur, monde qui t'a posé la question, et dans le cadre du jugement, ça a que lui était venu avec 8 âmes en Haïti, justement, lui était allé pour lui enseigner, eh bien, différentes unités dans l'armée qui en Haïti, il était venu apprendre à tirer. Donc, il était venu faire une plus professionnelle. Et. Il va comprendre que Diozo, Zam Sayo, Gampé là-dedans, il t'a acheté dans la zone Jacksonville, dans la zone qui est les camps les jeunes, qui trouvait dans Eastern, North Carolina, là, il dit dans la zone l'est de Caroline du Nord. Un individu qui parlait aussi de non et qui était parmi les gens qui t'a aidé au Diozo check-in lorsqu'il t'a fait voyager ça, il dit que Diozo te fait comprendre que l'ivlé de Haïti est l'ivlé pour le président d'Haïti. Ok? C'est ça qui figurait dans différents rapports qui gagnent dans le jugement ça qui est à prendre contre Diozo. Et même Mounsa tout, il dit que c'est lui-même qui t'a aidé Diozo fait bagage, j'avais dit check-in lorsque il t'a sorti dans l'aéroport. Nyon Bern, pas oublier que c'est côté monsieur et première porte monsieur c'est North Carolina la ville Miami Miami même la ville Haïti et monsieur te gagne Jean Doulane en fait 5 sandari les pistolets armes de main armes de poing et puis il te gagne 3 gros sandari les rifles c'est de gros armes qui capable percer un bagage blindé en pile balle. Et normalement, il n'est pas caché, il est déclaré, nous connaissons la nouvelle là, il a voyagé, il a fait connaître le gain. Et officiel en Haïti, déclaration est by Miami Herald, mais ça il dit que Diozo suspect, c'est lorsque il a gagné 3 sandales de série de longues black cases, ok? De série de bien longues, il comprend que bah, ça, généralement, c'est ZAM là-dedans, et ça fait qu'il a demandé pour le check, c'est ça fait qu'il a demandé, monsieur. Donc, c'est ainsi que police haïtienne a arrêté monsieur lorsqu'il débarquait dans la capitale, la Port-au-Prince. Nous rappelons, rappelez-nous, événement ça qui passait le 12 novembre. Et Diozo dit lui-même, l'ité prend valait les armes qu'il est capable de porter. Et objectif, nous entendons, c'était joindre avec soldier, ça veut dire soldat en Haïti. Ok? Et montrer aux gens pour y tirer. Et. Il fait comprendre que il connaît bien pour venir avec ZAM en Haïti, c'est un bagage qui est illégal. Ok? Et il dit que
il connaît que tu as arrêté l'arrivée en Haïti. Il connaît que lorsque tu as arrêté là, il va faire actualité. Donc, il a profité de l'actualité pour faire un statement. Donc, comprendre, mais Durozo, effectivement, ça le développe créer, c'est le fait que pour le faire buzz, il fait actualité et que l'a capable justement et fait déclaration, ça le développe fait. Il dit à Jean Fédéral, justement, tout ça, c'est part de l'attention que le développe attirer de la part de Mounio lorsqu'il débarque avec Xavier. Dans l'interview que M. Tebaï, dans Sandaré, les Criminal Investigative Service Agent en Haïti, il dit agent qui a fait investigation en Haïti, mais ça le dit. Il dit que l'objectif c'était aider les Haïtiens. Ok? Il dit que l'ITV voulait justement mettre uniforme là sous lui, mettre uniforme militaire sous lui, et que l'objectif l'ITV voulait algoumer contre les togs, les bandits. Cap simé la terre dans le pays. Donc, c'est ça qu'il fait connaître. Et nous, le fait connaître que, dans un moment, côté que il a posé et jugement, ça, il a fait poser et dit aux autres tout ensemble de questions, ça, d'après un record fédéral, il fait connaître M. Bagan, qu'un avocat qui a défendu. Donc, monsieur, il a posé question, il a parlé, il n'y a pas de avocat sur que ça. Mais, il y a eu, ouais, effectivement, mandat qui était demandé pour arrêter monsieur. Elle dit US Service Marshal, vous avez demandé normalement pour être arrêté, monsieur, de manière correcte. Et US Marine Corps, il a publié, il a tout profité publier le profil, monsieur, pour rappeler que monsieur, justement, était en Haïti dans la période tremblement de terre, côté que monsieur t'a expliqué qu'il était fait n'importe 7 jours en Haïti, il était prêt en bas tremblement de terre, pas de sacrifice, il était difficile pour lui, justement, arriver jeune parent, presque impossible. Parce que on n'est pas de circulation possible. Et Dieu qui t'a expliqué que depuis elle est très jeune, toute rêve, lui, c'était venir US Marine. Ok? Et lorsqu'elle était timoun, il dit qu'elle était toujours Marine, pas des dollars Kali. Et que toute rêve, lui, depuis la première fois, elle te dit un jour quand même, faut que lui tourne US Marine. Ça qui expliquait position post-sac que lui venait dans le moment. Donc, en définitive, et là, on a gardé tout ça aujourd'hui, mais maintenant, Dieu bien du un dac, monsieur, parce que l'écrit, Zach, monsieur, fait, hein, c'est ça, on relève, smuggling, c'est-à-dire, c'est des séries des armes. Comprenez bien la logique là, et normalement, aux États-Unis, c'est des armes achetées, les militaires, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est tout droit pour te gagner des armes, ça. Mais est-ce que l'aile débarque, automatiquement, il débarque à tête pile gros armes, ça, en Haïti? Et normalement, il est venu illégal. Et ça fait un peu, on a posé la question, ça passait, comment se fait-il que l'Américain là, il va dire, l'Américain a fait la déclaration, il a dit que c'est pas job lui pour lui vérifier est-ce que mon ange a une autorisation. Ok? Est-ce que mon ange a une autorisation? Et côté là, débarquer les armes, s'il a une autorisation. C'est pas job lui ça. Donc moi, c'est que là, son bagage pour mon ta réfléchi, cette histoire américaine là, a dit pas job lui. Pour le coup, on est tout bon, vous est-ce qu'on a autorisation pour ça? Je pense que ça m'a demandé en pile réflexion. C'est un véritable danger. Et dit automatiquement, monsieur débarqué en Haïti, il vient dans une situation d'illégalité, puisque il n'y a pas de papier qui était autorisé. Et d'autant plus, nous connaissons que Haïti, depuis bien des années, fait suite à un embargo, bien entendu, pour les armes qui sont entrées dans le pays. Donc, c'est ça. Donc, nous, on a analysé tout ça, dit aux autres, dit, est-ce qu'effectivement, c'était monsieur bien. Monsieur a parlé de président, le même président, qui était venu pour lui entraîner militaire. Ok, mais pour faire comme ça, il faut donner son enquête formelle. Il faut avoir une autorisation, autorité, chicot, Jovenel et autres qui, peut-être, laisse ça prendre deux mounes marines pour venir pour entraîner. En fait, vous sentez que le monsieur a parlé avec le prosecuteur, et moun qui a posé des questions, vous sentez que parole lui a manqué. Vous comprenez? Vous sentez que parole monsieur n'est pas viable. Mais ça va empêcher que vous condamnez monsieur. Nous-mêmes qui sentons ça, mais ça va empêcher. Il dit monsieur pas enragé, mais de toute façon, il est fou quand même, parce qu'il a tout le bon sens. Il compte ça, lui faire. Vous comprenez? Mais ça va empêcher qu'il y ait un DAC, monsieur, et que normalement, il a fait mandat d'arrêt pour l'US Marshal, parce que lui, il a mis monsieur dans la catégorie, ça a été gun smuggler,
smuggling, ok? Donc c'est vol, achat et de vente de manière illégale ou transport au vin dans le pays. Donc, moi, on sentit que dans ça, M. Abdio, on sentit qu'effectivement, pas gain en structure. On va demander est-ce qu'effectivement, il y a tout bon sens. En tout cas, si la justice pas bon ici, tu fais bécater devant dossier ça, eh bien, les États-Unis lui-même lui réagit et normalement, il prend des mesures contre Durozo. Nous avons voté update ça pour vous. Donc voilà, pas oublier nous toujours dire pour capable toujours être connecté avec nous. On va peser le bouton subscribe avec cloche là. Portez-nous tout bien. C'était un plaisir.